Hello! Donc, voilà, vous aviez choisi la Monster Matte en deuxième palette. Je vous mets la première revue, enfin les swatches and make-up de la première qui était la Big Big Love. Je vous la remets dans le petit i, comme ça vous avez toutes les infos, qui est prix, grammage, tout ça, tout ça, tout ça. Donc celle-ci est toujours uniquement cruelty free, il n'y a pas de vegan. Voilà, les couleurs sont juste magnifiques. C'est que du mat, bien sûr, c'est comme son nom, hein, c'est Monster Mat, donc c'est que du mat. 45 fards mat, autant vous dire que voilà, il y a de quoi faire. Ça, c'est le premier make-up que j'ai réalisé et je suis très, très, très contente. Donc, je vous avais demandé sur Instagram, en vous publiant la photo de la palette, quelle association de couleurs vous vouliez voir que vous voulez voir, quoi, tout simplement. Et vous m'avez donné beaucoup, beaucoup de bonnes idées. Donc, celle-ci en est une. C'était vert flashy et jaune. Il va également y avoir du rouge. Il va y avoir du turquoise, du violet et du jaune qu'on m'a demandé. C'est le pourquoi que cette vidéo est sortie samedi et non jeudi, comme d'habitude. Puisque, du coup, que je réalise 5 make-up, il m'a fallu un petit peu plus de temps pour les faire. Donc ben voilà, trêve de blablatage, on va pas épiloguer pendant 3 heures. Toutes les infos sont dans la première vidéo que je vous ai mis dans la petite fiche. Tous les produits que je ne mentionne pas sont listés en barre d'infos, comme d'habitude. Je vous laisse tout de suite avec le make-up numéro 1, celui-ci. Avec cette teinte-ci en teinte de transition, et je vais faire tout le tour de l'œil comme je fais d'habitude.
un peu moins flashy que ce que j'aurais pensé. Donc avec un pinceau un peu plus estompeur, je prends la teinte ici. Donc à chaque fois, je vous présente la palette à l'envers, hein, n'oubliez pas, mais voilà. Pour flouter un peu plus le bord de mon verre. Donc c'est vraiment une couleur toute pâle, jaune pâle, donc vraiment c'est très bien. Je prends la teinte ici. Donc là, je vais mettre en coin externe et revenir un peu plus dans le creux. Je prends un pinceau plat et la teinte verte ici. Pinceau et pinceau pareil. Que je mets juste à côté de l'autre. Celui-là est super pigmenté, comparé aux autres. Je prends mon premier pinceau pour estomper ici. Et bien sûr, les teintes entre elles. Donc je vais faire un tout petit semi-cut crease ici, juste pour que ma couleur ressorte bien. Je prends un tout petit peu, donc je prends le cut crease Canva en teinte halo. Donc j'ai essuyé mon pinceau, d'ailleurs petite astuce, j'ai essuyé mon pinceau avec ça, voilà. C'est exactement la même mousse qu'il y a dans les petits pots là, que tout le monde a en ce moment. Et voilà, les donuts, vous en trouvez chez Action pour que dalle. Ça c'est un vieux qui est complètement foutu, donc du coup, j'utilise mon pinceau et ça fonctionne très bien. Donc ensuite, je garde le même pinceau et je prends un teint jaune juste ici en dessous. Enfin, au-dessus. Et je vais donc le mettre par-dessus ma base. Oh, c'est un beau jaune. Alors, il est bien pigmenté, bien opaque. Après, avec la base blanche en dessous, c'est sûr que ça aide, mais bon, quand même. Je peux bider ton téléphone. Je sais pas de quoi tu parles. Quoi ? Rien. Ensuite, je prends la teinte ici verte pastel avec un petit pinceau boule et je vais le mettre en coin interne. Alors, on le voit à peine et ça fait bouger le jaune que j'avais en dessous. Dommage. Donc, je vais mettre mon crayon noir en muqueuse et faire un trait de liner et je reviens tout de suite. Pour le liner, j'ai utilisé le Liquid Ink de Essence. Là, je vais prendre le, décidément, le pigment pommade jaune de chez Revolution Pro pour mettre en muqueuse. Donc, je vous ai fait une revue complète sur ces produits, je vous la mets juste ici. Je vais prendre le liner pailleté de chez Kiko en teinte 01, donc il est dans les tons verts, justement. Et je vais faire un liner en cut crease, parce que là, c'est fort mat. Forcément, c'est une palette de mat. Et je vais également mettre quelques-unes en coin interne. Ben voilà, je pense que je vais le laisser comme ça. Au départ, je voulais remettre un petit trait de liner jaune ici pour contrebalancer, mais je trouve que comme ça, c'est déjà pas mal. C'est très joli, très bonne idée d'association de couleurs à celle qui me l'a suggéré. J'adore. Donc, je vais terminer et je reviens tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Une d'entre vous m'a demandé dans les tons rouges, mais ne m'a pas donné d'idée d'association. Donc on va se baser essentiellement sur le rouge, mais j'avais envie de faire le coin interne en une autre couleur. Mais bon, ça on verra après. Donc on va déjà commencer avec du rouge. Alors, je vais prendre pour commencer celui qui est juste ici. C'est un peu un rouge orangé. Non, on va plutôt prendre celui-ci. Que je vais évidemment mettre en transition. C'est rouge. Maintenant, à voir si on garde cette couleur-là quand on estompe. Ça, c'est autre chose. Donc, j'estompe le bord. Et vous voyez que je lui donne une forme déjà pour un cut crease. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire un cut crease. Je vais prendre cette teinte-ci pour estomper. Tiens. Et comme d'habitude, un petit coup d'estompeur propre. Donc avec un pinceau un peu plus précis, je vais prendre la teinte ici, un peu marron, rouge, orangé, je ne sais pas trop. Et je vais intensifier mon petit paupière. Bon, ça n'intensifie pas des masses. Hein. Donc je prends un tout petit pinceau crayon comme ça. Je vais mixer la même couleur, donc qui est ici, avec le noir ici. Donc on va passer au cut crease, donc je reprends le cut crease canvas en teinte halo comme d'habitude.
J'ai essayé d'enlever le maximum de produits. Je préfère en rajouter parce que c'est assez compliqué à gérer. Donc comme ça file assez vite, je vais commencer par prendre la teinte blanche avec un pinceau plat assez précis. Donc je vais prendre celui-ci de chez PH Cosmétiques et je vais le mettre en coin interne. Alors je garde le même pinceau que j'essuie un petit coup sur mon donut. Et je vais prendre le rouge juste ici pour mettre à côté. Avec mon premier pinceau, j'estompe ici le bord. Et pour terminer, je prends la teinte ici, marron, un peu rouille comme ça. Et je le mets ici en coin externe. Donc voilà, j'ai fait un trait de liner avec le liquid ink et j'ai mis mon crayon en muqueuse supérieure et inférieure qui est le tattoo liner. On va attaquer maintenant le ras de cils. Donc pour ça, je reprends un pinceau que j'ai utilisé, la teinte là juste avant, et je vais mettre celle-ci. Donc j'ai remis aussi un peu de blanc en coin interne puisque au départ je voulais mettre une autre couleur. Là c'est assez en couleur, hein. Et avec mon autre pinceau, je reprends la première teinte qui était ici au milieu. Ce que je vais faire maintenant, je vais humidifier mon liner Suva Beauty, le Space Pandal, donc le blanc. Et je vais faire, ici vous voyez, il y a une trace. Et je vais donc mettre un liner blanc là-dedans. Je l'ai fait beaucoup trop liquide, il risque de fuir dans mes petites ridules. Bon, petit point, oblige. Je vais prendre le Eyeglisten. Alors la teinte, je ne sais pas, elle est effacée, c'est le rouge. C'est le Desuid, me semble-t-il. Je vais prendre le côté paillette avec un petit pinceau précision parce que sinon ça déplace la matière. Allez, j'ai rangé mon pinceau là. Et je vais mettre quelques paillettes rouges où j'ai le blanc. Du coup, on voit plus blanc. Ouais, j'aurais mieux fait de ne pas les mettre en fait. Voilà, je vais donc passer mascara, highlighter rouge à lèvres et je viens tout de suite vous montrer le résultat final. Donc là, on va attaquer une autre suggestion. Que vous m'avez donné, donc c'était violet pâle et turquoise. Donc, je turquoise, je vous avoue que j'avais très envie de le tester. Donc, je vais commencer d'ailleurs par cette teinte-ci, la magnifique turquoise, et je vais le mettre en tension, mais jusqu'à la moitié seulement. Donc, comme d'habitude, on dégrade et je vais tout de suite commencer ma forme. Donc, je fais pareil jusqu'à la moitié de l'œil en dessous et je relie ici. Donc le violet plus pâle que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Maintenant, je ne sais pas quelle teinte le dégrader. Est-ce que je le dégrade avec du rose ou avec du violet? Je vais prendre la teinte juste ici. Tiens. Donc là, je vais le mettre dans le pli paupière, ici, à l'intérieur. Donc bien sûr, on n'oublie pas de dégrader les deux teintes entre elles. Bien sûr, j'en mets dans mon ras-de-cils ici. Donc avec un pinceau un peu plus estompeur, je vais estomper avec cette teinte-ci, le rose pâle ici. Et j'ai oublié de poudrer mon marqueur sur celui-là. Alors ensuite, je prends un pinceau plat et je vais utiliser le bleu juste ici. Que je vais mettre en coin externe. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais utiliser alors le mauve pâle. Je pense, ouais, je vais prendre celui-ci ici en dessous. Vous voyez, un petit peu plus foncé, mais c'est un mauve bleuté très pâle, que je vais mettre en coin interne. Cette teinte est très fade. Avec un petit pinceau boule, je vais prendre la teinte vert flashy, ici en dessous, que je vais mettre en coin interne. On va essayer de lui donner un peu de peps à ce make-up. Donc, j'ai pas envie de le laisser tout mat, et encore moins mon coin interne, donc je prends la Deep Dive. Je prends la couleur ici que je mets par-dessus le vert que je viens de mettre. Pour mettre un petit peu de lumière. Et du coup, au centre de ma paupière, je vais mettre le bleu ici pour mélanger les deux teintes entre elles. Donc je prends un petit pinceau plat.
Après, c'est sûr que si vous préférez les make-up mat, c'est pas la peine de faire ceci. Hein. Donc du coup, j'en appliquais avec un fixateur de maquillage. Donc voilà, j'ai mis mon crayon noir, toujours le tattoo liner. J'ai fait un trait de liner, toujours avec le liquid ink des essences. J'ai un peu foiré le liner, mais bon, tant pis. C'est à chaque fois à cause de mes petites ridules que ça va pas. On va pas trop toucher. Donc je reprends le liner pailleté de chez Kiko en tas de 01. Et je vais le mettre en cut crease, comme d'habitude. Donc je vais passer mascara, highlighter rouge à lèvres et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc là, une autre d'entre vous m'a demandé d'associer du mauve et du jaune. Donc c'est ce qu'on va faire, je vais prendre tout de suite le mauve juste ici. Alors là, le travail des fards va être relativement simple. Je vais prendre ce fard et en mettre sur ma paupière. Et en transition, je fais tout avec. Avec un pinceau un peu plus estompeur, je vais prendre la teinte juste à côté. Pour estomper un peu plus le bord et comme d'habitude après je vais passer un coup d'estompeur propre. Ensuite je prends un petit pinceau crayon et je vais mixer la teinte noire avec la teinte mauve qui est ici et la noire au-dessus pour définir mon cru. Et ensuite j'estompe avec le pinceau que j'ai appliqué le mauve. Donc je prends un petit pinceau précision, je vais prendre le jaune ici tout pâle pour mettre en coin interne. Poudrement. Donc on pourrait très bien le laisser comme ça, mais vous savez que c'est pas majeur. Donc je vais prendre le pigment pommade en teinte jaune. Je vais d'abord le mettre en micro. Donc je vais d'abord mettre mon crayon noir. Je vais d'abord mettre mon crayon noir en ratio supérieur et faire un trait de liner noir et j'y reviens. Donc là j'ai liquéfié mon liner jaune et je vais en mettre en coin interne. Donc je vais faire la base plus large et revenir plus fin. Si j'y arrive. Et je vais également faire un trait ici en dessous. Donc je prends le Space Panda de chez Suabuti et je ne sais pas du tout si ça va améliorer ou aggraver la chose, mais je vais faire le tour ici en blanc. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. On va déjà commencer par en dessous, voir ce que ça donne et voir si j'ai besoin de faire le dessus. Juste que je note mon petit point ici. Pour une fois que je ne vais pas faire de point, je reviens sans faire exprès. Ah ah. Vraiment que ces 5 make-up vous auront plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré. Évidemment celui-ci c'est un je pense le plus dramatique, je sais pas, assez artistique si on peut dire, je sais pas, j'aime beaucoup en tout cas, hein. Voilà, après je ferai pas ça tous les jours. Prochaine palette je dis pas parce que j'en aurai peut-être une autre, je vais peut-être décaler les maxi reloads pour une autre palette. On verra bien. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche et de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc en attendant mardi, moi je vous dis bisous bisous.